Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Alors, vous allez entendre Enzo gueuler, il est complètement hystérique en gros, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, c'est la clochette de Colourpop qui est la Twinkle a Little Magic. Voilà, on va dire que c'est comme ça que ça se dit. Donc, comme d'habitude, 9 fards à l'intérieur de 1 gramme. Ouais, ils font à peu près 1 gramme, il me semble, les Colourpop. Alors, l'intérieur, miroir avec la petite clochette juste ici. Trop mignon. Déjà, la palette, voilà, ces clochettes. Par contre, les paillettes sont en relief. Ah non, ici, ça va mieux. Mais sur la boîte, puisque forcément, vous avez la boîte assortie, ça perd ses paillettes. Bref. Et vous avez donc 9 fards à l'intérieur, dont 4 mats, les 4 au coin et 5 lumineux. Ils sont très jolis. Le problème Colourpop, c'est toujours pareil. Les pannes ne sont pas bien scellées dans les palettes, donc ils bougent. C'est extrêmement chiant et c'est toujours aussi poudreux. Mais rapport qualité-prix, c'est de la bombe, Colourpop, quoi. Voilà. Donc, j'aime bien acheter ce genre de petites palettes de 9 fards et surtout quand elles sont en lien avec des personnages comme ça que j'adore. J'ai gros goût déjà, hein, je vous remets la vidéo en barre d'infos. Enfin, les vidéos, parce que j'ai fait plusieurs vidéos avec cette palette. Celle-ci, c'est Clochette. Et j'attends une Stitch. Voilà. S'ils pouvaient faire une Harley Quinn. D'ailleurs, j'ai ma petite Harley Quinn maintenant en fond. Je l'ai reçue ce matin. Bref, c'est pas le sujet cocotte. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque le make-up. Je vais commencer, comme j'aime bien souvent le faire avec les Colourpop, parce que les lumineux sont tellement beaux. Je vais prendre celui-ci pour m'en servir en tant qu'highlighter. Donc, c'est le Pixie Dust. Et je vais prendre un pinceau assez souple, parce que j'ai testé, parce qu'en swatch, il fait très opaque. Mais au pinceau, comme ça, ça va. Par contre, c'est des pures paillettes, quoi. Mais ça va le faire. Comme ça, on se fait un petit highlighter vert pour aller avec le thème. C'est très joli. Je suis de la palette The Child, Colourpop. Oui, la Colourpop, mais la Baby Yoda. Là. Oh là 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 là. C'est tellement beau. Il y a un fard là en highlighter. Il est juste sublime. Donc, je vais en mettre un tout petit peu sur le nez parce que ça va faire de trop sinon, et sur l'arc de Cupidon. J'ai déjà des paillettes absolument partout, mais c'est mes fleurs de ma tête. Bon, après, ça va parce que c'est un thème féerie, mais quand même. Donc, je vais partir sur une base assez similaire à celle d'hier avec le coin externe assez long. On va dire ça comme ça. Mais je vais d'abord faire mon creux. Alors attendez, parce que j'ai pas pris de pinceau pour faire le creux. Hop, je prends celui-là, je prends un AC estompeur et je prends la teinte Big Magic. Donc qui est le. C'est un vieux rose, tout simplement. Un peu beige. Donc attention, c'est hyper poudreux. Hein. Colourpop, c'est pas nouveau. Hein. Et je vais donc faire mon creux assez large avec ce fard-là. Donc je me casse pas trop la nénette avec le coin externe, puisqu'on va faire autrement. On va mettre une autre couleur. Je fais juste mon creux comme ça. Donc, il fait plus marronné une fois piqué. Mais du coup, pour le creux, c'est une très belle teinte. Ok, alors je vais prendre ce pinceau-là. Je vais le réutiliser après. Et je vais prendre le second... Enfin, j'ai du mal à dire les teintes. Hein. Je vais commencer à le savoir. Enfin, bref. Donc, je prends ça pour dégrader. Donc, juste le dessus, hein, puisque le dessous... Comme je vous ai dit, le coin externe, on va mettre du vert, forcément. On ne peut pas faire un make-up clochette sans mettre du vert. Hein. Déjà que j'ai du mal à ne pas mettre du vert en règle générale. Donc... Et je prends un gros pinceau souple pour dégrader tout le haut correctement. Donc je reprends le même pinceau et je vais prendre la teinte Slip. Qui est le magnifique vert ici. Hein. Pff, il est sublime.
Par contre, ouais, poudre à mort. Hein. Ça, chez Colourpop, ça ne change pas. Donc, je vais le mettre sur mon coin externe. Et je vais le dégrader assez bien. Sauf que là, comme j'ai mis une teinte un peu rosée, ça va faire une teinte un peu caca. J'aurais pu y penser avant. Bref. Donc, je pars vraiment en pointe comme ça. Je vais peut-être y aller d'abord au pinceau plat. Pour bien que le fard soit bien intense. Sinon, on le verra à peine. C'est dommage. Donc, je crois que là, vous voyez où je veux en venir. Je fais pareil vers le bas. Donc là, vous voyez très bien où je veux en venir. Donc, bien sûr, vu que j'ai pas de base à ce niveau-là, il faut que j'insiste un peu plus avec les couleurs. Hein. Et du coup, je reprends ce pinceau-là pour dégrader le bord partout. Alors, je prends un pinceau boule et je vais prendre la teinte Awake, donc qui est le vert émerald ici. Magnifique. Je vais m'en servir pour accentuer mon coin externe. Et je vais également revenir en racine. Je l'estompe un peu vers l'extérieur en pointe, comme ça. Je suis pas bien centrée ces derniers temps. J'ai du mal à me centrer. Un petit peu vers le bas aussi. Avec le premier pinceau, je redonne un petit coup d'estompeur pour bien fondre les deux verres entre eux. Et je fais mon racine aussi. Alors, ensuite, je prends un pinceau plat. Je vais blender ma paupière. Et je vais commencer avec la teinte Neverland, qui est le vert le plus foncé ici. Pour mettre sur la partie externe de ma paupière. Oh, c'est beau. Oh, magnifique. Magnifique ce vert. J'essuie mon pinceau, je prends l'autre côté et je prends la teinte Tink. Je le mets sur la partie interne de ma paupière. Et là, je l'ai mis au pinceau, au doigt, ça doit... Waouh, envoyer du lourd. Mais hop, celui-là, on va l'essayer au doigt. Du coup, avec mon autre doigt, je reprends Neverland. Et je blend. Ok. Oh, j'adore. Pour le coin interne, je vais prendre la Pixie Dust. Obligé, c'est celle qu'on a mis en highlighter. Et c'est sublime. Ouh, c'est beau. Donc, je reviens sur mon racine. Voilà. Je pense que pour les fards, on est pas mal. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est si je fais un trait de liner ou pas. Je ne pense pas. Je crois que je vais rester sans liner noir. Je vais voir. Je vais réfléchir à ça. Je vais déjà mettre mon crayon noir en mucus supérieur et préparer ma poudre métallique marron argentée pour faire les ailes de clochette. Voilà, je vous ai baissé un petit peu pour le liner. Je sais pas, mon truc, il fait des trucs bizarres. Voilà, il fait des grumeaux et il se mélange moins bien que d'habitude. Je sais pas si mon mixing serait pas foutu. Enfin bref, on va voir, on va essayer comme ça. Si il foire mon make-up, je porte plainte. Donc, je vais partir de l'extérieur de mon creux. J'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas trop comment mettre pour faire le liner. Ok. Ici. Je ne sais pas du tout où je vais. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Hein. Alors, on va commencer par l'extérieur et ce qui est le plus haut pour ne pas me faire des tâches. Donc j'essaye de donner une forme d'aile à mon liner tout simplement. Donc je vais quand même me mettre un peu en coin externe
ici. Voilà, on repart de là pour l'aile du bas. Et ici pour la fermer. Je pense que ça a l'air d'être une forme d'aile. Donc je vais déjà faire pareil de l'autre côté. Essayez. Voilà, donc à l'intérieur je vais faire des espèces de petites arabesques pour donner un effet de d'aile. Donc j'ai pris une photo clochette, on va voir si j'arrive à faire à peu près pareil. Ah, de l'autre côté il fait vraiment des grumeaux, je sais pas pourquoi il fait ça. Alors je vais prendre mon petit pinceau silicone et je vais faire quelques points par-ci par-là. Je vais ici terminer aussi avec trois petits points. Je pense qu'on est pas mal. Hein. On n'est pas trop exagéré non plus. Le liner noir n'est pas nécessaire. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'aime bien. Bref, j'ai arrêté de me lancer des fleurs parce qu'après, on dit que j'ai la grosse tête. Hein. Alors, je vais mettre le NYX argenté comme ça dans ma muqueuse. Mascara. Je pense que je vais quand même mettre des faux cils. Et sur les lèvres, je vais juste mettre le Pilot Talk, enfin un crayon et rouge à lèvres Pilot Talk de Charlotte Tilbury pour rester dans le nude. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Voilà le look final avec la palette clochette. J'aime encore une fois beaucoup. J'ai rajouté le petit accessoire là. Je sais pas si ça le fait ou pas. J'aime beaucoup. En fait, voilà. C'est un collier, hein, tout simplement. Normalement, il y a un pendant en plus que j'ai enlevé parce que ça faisait trop long. Vous voyez, sinon ça tombait jusqu'ici. Ça aurait pu faire beau aussi, hein, en fait. Mais de toute façon, je le garde pour une prochaine fois. Hein. Ça peut toujours être réutilisé. Je peux le mettre un peu plus haut, en fait. Ça aurait fait beau aussi. Bref. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Bref. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Après, Colourpop, c'est une valeur sûre. Franchement, c'est juste chiant pour les Belges et d'autres. Je crois, en fait, qu'il n'y a que la France qui a les frais de douane anticipés. Après c'est calculé par rapport au montant de votre commande puisque vous payez la TVA en fait, donc je crois qu'il n'y a que la France qui l'a. Moi j'ai la chance de pouvoir faire livrer chez mon frère, donc en principe quand je commande rarement qu'un produit pour éviter de payer je préfère payer une grosse fois les frais et avoir plusieurs produits, mais bon là ça venait de sortir, donc voilà. Sinon, toujours la même chose chez Colourpop. Les mattes sont super bien pigmentés, ils se travaillent super bien. Par contre, ils sont poudreux, ça faut faire très attention, c'est vraiment leur gros point négatif. Ça et le fait que les pannes bougent dans les palettes, quoi. Vous prenez le pinceau, ça bouge en même temps. Si vous faites un swatch, le panne, il va bouger. Les lumineux sont toujours hyper faciles à travailler, super lumineux. Enfin voilà, franchement, c'est vraiment une valeur sûre. Après, ce que je regrette le plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent de Colourpop pour se faire du fric sur le dos des autres sur Vinted. Quand j'ai vu la bébé Yoda à 40€, j'ai vu celle de Sailor Moon à 60€, alors qu'elles sont encore vendues sur le site. La Colourpop, la The Child, je l'ai payée. C'est la même chose que celle-ci, je crois que c'est 17$. 14 ou 16$
la petite palette, quoi. Donc, même si vous ajoutez les frais, voilà. Pour moi, si les palettes Colourpop sont vendues à plus de 15 euros, ça vaut pas le coup. Que ce soit une édition comme ça ou pas, franchement, vous faites pas avoir parce que c'est aberrant. Limite, il vaut mieux essayer de trouver une adresse française, un mondial relais français si vous avez la chance d'habiter pas loin de la frontière. Ou demander à une personne que vous connaissez en France de réceptionner le colis pour vous et de vous le renvoyer à votre adresse, parce qu'à ce moment-là, vous blindez de trucs. Ça vous coûtera moins cher de faire payer les frais de port deux fois, en fait, pour que la personne vous les réexpédie, que de vous faire arnaquer comme ça sur Vinted. Je trouve ça aberrant, ça. Je le dis à chaque fois que je fais une vidéo sur Colourpop, mais je trouve ça dégueulasse, les gens qui font ça. Ils ont vraiment très peu de scrupules et ils profitent vraiment du malheur des autres. Je vais dire, partout où ils peuvent faire du bénéfice, il y a des gens qui ne se privent pas pour faire du bénéfice sur le dos des autres. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller cette marque en général, hein, Colourpop, plus je teste, plus j'aime. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un produit qui m'a déçu de chez eux. J'adore, à part le lipstick, ce que j'avais acheté dans ma toute première commande pour tester un peu plus de produits. Je l'adorais, il tenait super bien, il s'appliquait super facilement, mais il a moisi, quoi. Franchement, il n'a pas fait long feu. Au bout de même pas un an, j'ai dû le jeter parce qu'il avait moisi, tout simplement. Donc ça, je trouve super dommage. Mais sinon, faudra que je reteste un peu plus, peut-être. Voilà, bref. Donc, n'hésitez pas, enfin, faut que j'arrête de dire n'hésitez pas, parce que vous ne devez pas hésiter, vous devez juste le faire, c'est mettre un pouce en l'air pour me faire plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait encore plus plaisir. On se retrouve demain avec ma rotation make-up, jeudi, avec la Forever Flawless Pac-Man. J'avais juste envie de faire la clochette en premier, enfin, avant celle-là, parce que la Batman, c'est celle qui m'inspire le moins, voilà. Et en attendant demain, moi je vous dis bisous.